Tu as compris qu'il est temps de te barrer et d'arriver à fuir absolument des grands centres urbains. Tu veux quitter Paris, tu veux quitter les grandes villes. Oui, mais où aller? Comment décider dans quel endroit tu vas te sentir bien? Quel est l'endroit qui va le mieux coller par rapport à tes attentes, par rapport à tes critères, par rapport à ta sélection? C'est pas facile, c'est une vraie question. Bah, regarde la vidéo, ça va peut-être t'apporter des éléments de réponse. C'est parti! Je m'appelle Jérémy, tu es sur la chaîne Frugalisme. Frugalisme, c'est la chaîne de ceux qui veulent apprendre à en faire plus avec moins. C'est la chaîne de ceux qui ne veulent plus échanger leur temps contre de l'argent. C'est la chaîne de ceux qui veulent faire des économies sans se priver. Et également, c'est la chaîne de ceux qui veulent réduire leur impact sur l'environnement de manière intelligente. Voilà, c'est tout ça le frugalisme, c'est tout ça cette chaîne. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la chaîne de ceux qui veulent arriver à prendre leur retraite anticipée. Mais seulement si tu veux arriver à prendre ta retraite anticipée, et bien appliquer tous les conseils pour faire des économies, tout ça, malheureusement, je dois te le dire, ce ne sera pas suffisant. Il va également falloir apprendre à générer des revenus, à générer de l'argent, à fabriquer de l'argent en quelque sorte, disons le mot. Et ça, ça va obligatoirement passer par des activités, des revenus alternatifs, que cela passe par de l'immobilier, de la bourse, voire même de l'entrepreneuriat. Tout ça, en quelque sorte, ça va te faire comme des revenus alternatifs, comme des petits ruisseaux qui petit à petit vont se rejoindre et vont faire des grandes rivières, vont faire quelque chose de puissant, de solide, de stable et d'inarrêtable. C'est ça notre but. Et quand ces revenus viennent à égaler ton besoin d'argent qu'entre-temps tu auras probablement réussi à minimiser, à réduire, grâce notamment aux techniques que je propose dans mon guide gratuit, que tu peux aller télécharger, c'est 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations pour apprendre à faire des économies au quotidien, et bien à ce moment-là, quand tu auras réussi à faire en sorte de couvrir tes frais, de couvrir tes besoins d'argent, tu seras libre de ne plus échanger ton temps de vie, hein, en fin de compte, ni plus ni moins, contre de l'argent pour un patron que tu n'aimes pas ou dans un job qui peut-être ne colle pas avec ton éthique. C'est important pour moi qu'on soit dans la même éthique que ce qui colle par rapport à tes opinions. C'est ça le truc, d'être cohérent le plus possible. Je propose désormais mon programme de formation. C'est un programme de formation dans lequel il y a 10 heures de vidéo, dans lequel je t'apprends comment arriver à sortir de l'enfer de la rat race, arriver à générer des revenus alternatifs et vraiment en essayant d'avoir un investissement, au moins en immobilier, commencer à se lancer, commencer à diversifier avec différents types d'investissements. Je partage tout avec toi, je te dis tout, mes trucs, tout ce que je connais, tout ce que je sais qui marche, et je te dis aussi toutes les conneries que j'ai pu faire et qui pourront, j'espère, t'éviter de tomber dans un certain nombre de pièges. C'est ça le but, arriver à sortir de l'enfer de la rat race. Alors si tu souffres au travail au point de ne plus avoir envie d'y aller, va faire un tour sur le programme. Le premier chapitre est complètement gratuit, tu peux complètement y accéder. Voilà, c'est gratuit, c'est voilà, c'est cadeau. Je propose avec ça 3 heures de coaching individuel en one to one pour vraiment arriver à détecter les points durs, pour vraiment essayer d'avoir un suivi personnel et particulier avec les membres de la formation. En fait, c'est pas seulement un programme de formation, c'est vraiment un accompagnement, une offre globale. En plus de ça, j'en remets encore, je propose des séances collectives une fois par mois dans laquelle on va faire une longue vidéo en live pour avoir vraiment traiter vraiment une problématique, un sujet, tu vois, et à l'issue de laquelle on va faire des questions-réponses pour vraiment essayer d'échanger et avoir une vue vraiment la plus complète sur une idée d'investissement, par exemple. Voilà. Et en plus de ça, parce que c'est pas tout, je propose un groupe d'échange privé dans lequel tu vas pouvoir échanger directement avec les autres membres de la formation ou avec moi pour non seulement poser des questions, etc., mais aussi un groupe dans lequel on va se partager entre nous nos meilleurs trucs, nos meilleures astuces pour arriver en fin de compte à s'en sortir, à générer de la valeur et à sortir en quelque sorte de l'enfer comme ça du quotidien. Comme c'est le démarrage et comme je veux vraiment vraiment faire les choses bien, je vais pas proposer le truc à beaucoup beaucoup de gens parce que je veux pas faire de l'abattage. Donc pour le premier mois, je ne vais prendre que 10 personnes, voilà. Et comme je suis sûr de mon coup et je suis vraiment certain, absolument certain à 100% que cette formation va te permettre de gagner de l'argent, je m'engage à te rembourser au bout de 3 mois si à l'issue des 3 mois tu n'as pas récupérer, si tu n'as pas réussi à récupérer en quelque sorte le coût de la formation. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand on achète une formation, quand on achète quelque chose, en fin de compte, il faut absolument l'envisager comme un investissement. Et donc, du coup, comme c'est un investissement, la question que je me pose à chaque fois que je fais un investissement, c'est de savoir en combien de temps je vais avoir un retour sur mon investissement.
premier point, le premier critère important et déterminant pour choisir où est-ce que tu vas devoir aller, eh ben, je suis désolé de te le dire, mais ça va d'abord être ton budget. Et oui, c'est-à-dire que si tu as un budget qui est rikiki, eh ben, t'as bien compris que habiter dans Paris 16e, ça va être compliqué parce que le prix au mètre carré est extrêmement cher. Que tu veuilles y vivre en étant locataire ou que tu veuilles y vivre en étant propriétaire, hein, il n'y a rien qui va changer. C'est que le prix pour vivre à cet endroit-là, eh ben, il est important parce que, ben voilà, c'est comme ça, c'est tout. Alors que si tu vis au vert dans un endroit beaucoup plus éloigné, beaucoup plus isolé peut-être aussi, j'en sais rien, disons que tu pars vivre dans la Creuse, et j'aime beaucoup ce département, eh ben, tu comprends bien que les prix au mètre carré, évidemment, pour vivre sur place vont être beaucoup plus accessibles. En revanche, eh ben, tu n'auras peut-être pas les mêmes types de services que peut offrir une grande ville. À toi de faire le point, à toi de choisir. En tout cas, moi, personnellement, en ce qui me concerne, je suis tellement heureux d'avoir quitté Paris il y a plusieurs années déjà. Crois-moi, je suis pas prêt d'y retourner. Faudrait vraiment me payer cher pour que je revienne là-bas. Vraiment. Parce que je te dis, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'y habite plus. Donc, le premier point vraiment à considérer, c'est le budget. Pour ça, ben, ce qui est important, c'est d'aller te renseigner sur les prix au mètre carré. Je te mets les sites en description si tu veux savoir combien ça coûte d'aller vivre à tel ou tel endroit. Les prix au mètre carré, ça se trouve sur Internet. Ensuite, l'autre point important qu'il va falloir arriver à déterminer, mais c'est lié au premier, bien évidemment, il va s'agir de ton style de vie. Évidemment, si pour toi, c'est très important d'avoir une vie dans laquelle tu vas sortir, aller au théâtre, aller au restaurant, aller au cinéma très souvent, etc., avoir aller à l'opéra, pourquoi pas, bah forcément, tu comprends bien que ton style de vie peut être potentiellement un piège pour tes finances. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais vraiment, par rapport au lieu dans lequel tu vas vivre, c'est quelque chose qui va vraiment être déterminant. Quand on vit à la campagne, il y a moins de distractions, il y a moins de loisirs que quand on vit à la ville. Encore que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a au final tout autant des distractions, mais c'est des distractions qui vont être différentes, gratuites. Il va s'agir peut-être d'une balade dans la nature, il va s'agir peut-être simplement d'aller se promener, profiter du bon air, aller aux champignons, aller pêcher, pourquoi pas. Ça, c'est des plaisirs simples qui sont pas très chers et qui sont tout à fait accessibles quand on vit à la campagne. Le troisième point, et pour moi ça doit vraiment être un critère hyper déterminant quand on choisit la ville dans laquelle on veut vivre, eh ben, il va s'agir des axes routiers, des axes, des types d'infrastructures qui sont disponibles. Les questions à se poser vraiment, c'est les suivantes. Est-ce qu'il y a des services médicaux? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des universités? Est-ce qu'il y a des routes, des autoroutes? Est-ce qu'il y a des gares? Est-ce qu'il y a des gares TGV? Est-ce que c'est bien desservi? Est-ce qu'il y a Internet? Ça, c'est le point suivant, et je dédie un point complet, un critère complet dédié à ça. On ne peut pas vivre sans Internet aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, si tu peux, mais forcément, tu vas devoir sacrément te couper. Là aussi, il y a des choix, il y a des arbitrages à faire. Mais bon, malheureusement, tu le sais bien, aujourd'hui, vivre sans Internet, ça devient très 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 compliqué. Donc c'est important, quand tu choisis le lieu dans lequel tu souhaites t'établir, de bien regarder s'il va y avoir des connexions fibrées pour avoir un Internet qui va être relativement rapide. C'est pour moi quelque chose qui est essentiel. Ensuite, le point qui est essentiel, ça va être la population, la qualité du quartier. C'est-à-dire que aller dans un endroit qui est pas cher, aller se mettre peut-être même au vert, c'est bien. Mais si c'est pour se retrouver dans un endroit craignos ou avec des mecs bizarres, ou enfin voilà, c'est pas le but, quoi. Si tu veux te mettre au vert, si tu veux récupérer une bonne qualité de vie, le but, c'est pas d'aller se mettre dans un endroit craignos. Et crois-moi, hein, y en a, hein, des villages comme ça où on se dit ouais, c'est le village, etc. Et en fait, ces villages-là, ils sont tout près d'une frontière, et ces villages-là, en fin de compte, eh ben, ils se retrouvent que ce sont des plaques tournante pour la drogue, par exemple, ben voilà, t'as pas forcément envie de vivre dans des endroits comme ça, quand bien même ce serait des villages ou des endroits qui seraient entre guillemets au vert. Tout ça, ça veut rien dire, il faut regarder de plus près. Un autre point qu'il faut regarder, qui est très important, c'est s'il va y avoir des avantages régionaux, du type, est-ce qu'il y a la montagne, est-ce qu'il y a la mer, est-ce qu'il y a une rivière, est-ce qu'il y a des balades à faire, est-ce que le coin, il est cool, tu vois. Ça, c'est important de le savoir, c'est important d'arriver vraiment à l'évaluer, c'est vraiment important de savoir, de le compter dans les. Moi, je vois par exemple, à une époque, j'avais eu envie d'aller me rapprocher de la montagne, et je m'étais rapproché de Grenoble. Seulement, le truc, c'est que j'étais dans un quartier de Grenoble qui n'était pas super super, et puis voilà, tu vois que au final, c'était pas super cool, et puis du coup, j'ai rebougé ailleurs assez vite. Donc ça, ce sont des bêtises qu'il faut éviter de faire. Il faut essayer de bien sélectionner le quartier, comme je le disais précédemment,
aussi, mais pas seulement, il faut regarder peut-être s'il y a aussi des attractions touristiques. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, notamment si tu envisais un jour, à un moment donné, de faire un business dans le tourisme. Pourquoi pas? Admettons que tu décides de faire de la location saisonnière pour les touristes. Bah, évidemment, si tu es à proximité d'une station touristique, ça peut être potentiellement bien plus intéressant, bien plus intelligent. Je pense que ça, on l'a bien compris. Ce qui est important, ce que je voudrais vraiment te dire dans cette vidéo, c'est que quand tu cherches comme ça un endroit dans lequel te relocaliser, il faut vraiment peser le pour et le contre. Tu n'arriveras jamais à trouver d'endroit parfait. Moi, personnellement, j'aime bien les villes de 35, 50 000 habitants. Tu vois, des villes moyennes dans lesquelles on retrouve quand même pas mal de services. Et tu vois, des villes de cette taille-là, il y en a énormément en France. Et des villes qui sont pas trop loin de grandes agglomérations, parce que du coup ça fait aussi que tu vas te retrouver pas trop loin de trucs très intéressants si à un moment donné tu as envie d'aller à un concert ou de faire un truc comme ça. Bon bah voilà, tu vois bien que dans ces villes-là, voire même en bordure de ces villes-là ou dans des villages périphériques, on peut avoir accès à une qualité de vie qui est tout à fait remarquable pour des prix qui sont tout à fait abordables, bien évidemment en comparaison par rapport à ce que tu vas avoir dans les grands centres urbains type Paris. Paris, c'est devenu invivable. On va pas se mentir, c'est horrible de vivre là-bas. C'est vraiment ça le truc à voir, c'est qu'il faut que tu arrives vraiment à peser le pour et le contre. Un truc aussi très important, si tu as des enfants, c'est d'évaluer correctement la qualité des écoles et des infrastructures qui sont dédiées par rapport aux jeunes. C'est-à-dire que si tu habites dans la Pampa, ben, et que ton gamin il a envie de faire du judo, mais qu'il n'y a pas de cours de judo à moins de 50 bornes, ben tu vois, ouais, c'est cool, mais il va falloir que tu passes le permis, puis que tu aies la voiture. Voilà, c'est tous ces trucs-là qu'il faut arriver à peser, c'est tous ces arbitrages-là qu'il faut arriver à faire, c'est tous ces trucs-là qu'il faut vraiment essayer de regarder et de vraiment comprendre. Je te mets en lien de la vidéo un site internet qui est assez intéressant si tu souhaites arriver à en savoir plus sur certaines villes. Et puis bah voilà, ça va te permettre de récupérer des avis sur certaines villes, ce que certains en pensent, etc. Bon, tout ça néanmoins, il faut pas le prendre pour argent comptant parce que rien ne vaudra ton expérience personnelle. C'est la raison pour laquelle je te recommande, si tu envisages de te relocaliser dans un endroit, dans une ville, c'est en quelque sorte de pas tout plaquer du jour au lendemain pour tout miser sur cet endroit. Et peut-être d'essayer d'y aller petit à petit. Petit à petit, ça veut dire que si tu es jeune et célibataire, tu pourrais par exemple décider d'aller louer un meublé là-bas pendant 3, 4, 6, voire même un an, pour dire que tu arrives à te poser et à renifler un petit peu l'espace, à renifler, à ressentir un petit peu la ville, voir si tu t'y sens bien, si tu t'y sens pas bien, ou s'il y a une autre petite ville ou un autre petit village périphérique autour dans lequel tu te sentirais encore mieux. En tout cas, moi, c'est vraiment mon conseil, c'est en quelque sorte de pas se dire allez hop, on vend la baraque, on emmène femme et enfants et on part vivre à l'autre bout de la France dans un endroit qu'on connaît pas, dans un quartier qu'on connaît pas, avec des risques inhérents à toute cette méconnaissance en fin de compte. Rien ne vaudra jamais ton expérience. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, t'hésite pas à me lâcher un énorme pouce et à me dire en commentaire peut-être quels sont toi tes trucs, tes astuces si tu cherches à arriver à te relocaliser quelque part, comment tu ferais en fin de compte, c'est ça le truc, ou peut-être comment tu as fait. N'hésite pas non plus à télécharger le guide des techniques frugalistes, c'est 80 pages de techniques de conseils et de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moi. Et enfin, je te le rappelle, dépêche-toi d'aller sur ma formation pour bénéficier gratuitement du premier chapitre, 90 minutes de vidéo gratos, voilà, c'est cadeau. Vas-y, profites-en, dépêche-toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Merci, salut, ciao.